toujours, Charles? Ah oui. Second take. Prenez votre temps. Vous la m'emmenez très haut. Ce qui nous semblait frappant, c'était qu'il y en avait beaucoup dans les professions de foi de votre circonscription qui mettaient en avant le fait qu'ils avaient élevé leur famille dans la zone du Benelux et que du coup ils étaient fiers de cette expérience pour pouvoir... Mais ça, je comprends qu'ils en soient fiers. Enfin, moi, c'est vrai que, vous voyez, le fait de... Par exemple, j'ai un de mes fils qui me dit « Bah, maman, je veux faire un stage. » Enfin, il est en école de commerce, il veut faire sa césure. Bon, il veut faire un stage, venir le faire ici. Bah, du coup, on va faire l'expérience de ce que ça veut dire concrètement. Et je dis pas que, voilà, c'est pas quelque chose qui m'inspirera demain quand je me poserai un certain nombre de questions nationales. Mais très honnêtement, le député, il n'est pas député pour parler de lui. Bah, moi, ce que j'ai appris en politique, je le dis avec modestie, hein. Enfin, il faut fermer sa gueule, quoi. Je veux dire, pardon, mais on n'est pas là pour parler de soi, ni de l'endroit où on habite. On est là pour prendre à bras le corps les problèmes que les gens vous donnent. Votre camarade Emmanuel Savary, qui est sur la troisième circonscription, si je ne m'abuse. Chez nous, on ne dit pas camarade, si vous voulez. Votre collègue... Mon ami. Votre ami, je ne connaissais pas vos liens. Si, on s'entend bien. Très bien. Elle disait, il faut savoir ce que les gens veulent. Quelqu'un à l'Assemblée avec une étiquette politique ou quelqu'un sans étiquette et sans poids politique. L'appartenance à un parti politique, pour moi, c'est un gage de référence. Quand vous élisez la personne... Si c'est Monsieur X, non inscrit, inconnu au bataillon, mais c'est pas un reproche, hein, je veux dire, ça n'empêche pas toutes ses qualités personnelles. Mais ça veut dire que vous lui faites une confiance aveugle, c'est-à-dire vous l'élisez sur son nom et sur son adresse et sur ce qu'il vous aura dit dans sa profession de foi. Il n'est engagé par rien. C'est-à-dire demain, s'il y a un vote sur l'euthanasie, sur les cellules souches embryonnaires, sur un sujet de politique internationale, le cadre dans lequel s'exprimera cette personne, c'est le sien. Rien que le sien. Il n'y a pas de dissidence à l'UMP. Donc. Non, mais c'est un autre sujet, j'y venais. D'accord. Mais si vous voulez, c'est ça. Le parti politique, il donne le cadre général qui engage la personne. Mais le mandat n'est pas impératif. Et je le dis d'autant plus que pour ce qui me concerne, il m'est arrivé, et plus qu'une fois, d'exprimer... une sensibilité extrêmement différente au courant dominant de ma famille politique. Oui, jusqu'au point de se faire... Et je voulais que je vous dise, si c'était à refaire, je referais la même chose. Je persiste et je signe. Voilà. Parce qu'une expérience politique, c'est aussi la capacité à dire non. Et quand on n'est pas d'accord, il faut aussi être capable de le dire. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. Merci à vous. Combien de gaufres? Une gaufre. Deux gaufres. Chocolat. Chocolat? Chocolat, ice cream. Non, juste. Non, mais juste chocolat. Juste chocolat. Juste chocolat. Des glaces vanille. Deux gaufres et juste chocolat. Ce qui s'est passé, c'est que c'était. Enfin, on a pris conscience que de notre noyade à partir du moment où t'as dit il reste 12 minutes. Mais avant, c'est vrai déjà, que. Déjà, ouais. Ben, Toi, t'étais assez incisif, mais nous, on n'arrivait pas. C'est ça, en fait, c'est pour ça que je vous regardais régulièrement. C'est qu'en fait, j'essayais de chercher des points d'attache, tu vois, dans son discours, ouais, sur lequel m'appuyer pour réagir. Ah ouais, en fait, parce que moi, j'envoyais tout le temps, mais le problème, c'est que je l'aurais coupé chaque fois qu'elle disait un nouveau concept. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux réagir sur le concept, étant donné que c'était pas à moitié faux, mais c'était souvent tiré par les cheveux. Tiède, quoi. Voilà, et c'est vrai que là-dessus, je considère que c'est important aussi d'avoir tous les points de vue, et je sais que toi, t'avais beaucoup de questions derrière. C'est vrai que t'as pas saisi toutes les opportunités parce que tu voulais pas l'interrompre et je voulais pas m'imposer trop non plus et c'est vrai qu'après c'était plus une question de dynamique. Sans doute, c'est pas évident quoi. On critique toujours les journalistes qui harcèlent pas assez les candidats à la télé, mais c'est pas évident forcément quoi. Mais nous en même temps c'est pas notre métier alors que eux c'est le leur. Thank you.